19h45, heure locale, heure de Paris. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Nous sommes le 3 novembre 2014 et nous sommes bel et bien direct. Soyez encouragés. Merci pour votre présence, pour l'amour de la vérité qui anime, n'est-ce pas, vos actions, vos cœurs, vos, n'est-ce pas, pensées. Père, notre Yeshua, nous bénissons ton nom pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce soir, Seigneur notre Dieu, de nous retrouver, Seigneur, autour de ce plateau pour échanger, pour partager et surtout rendre témoignage, Seigneur, de tout ce que ton esprit, ô Père, fait au milieu de ton peuple. Père, merci pour tes enfants qui sont, Seigneur, ici et là, qui sont dans les nations, qui sont chez eux ce soir et qui ont soif de toi, soif de ta parole. Merci pour ces hommes et ces femmes qui te cherchent sincèrement, qui ont pris position pour la vérité, qui ont pris position, Seigneur, pour toi, comme Phinée l'a fait, comme Élie l'a fait, comme Moïse l'a fait, comme Paul, Pierre, Jacques et Jean, et Joël, Michée, et Seigneur Habacuc, tous ces prophètes l'ont fait, Seigneur, et nous voulons encourager cette génération, Seigneur, d'hommes et femmes qui prennent position pour l'Évangile. Nous voulons les encourager à tenir ferme. Merci pour ton amour, Père très saint. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Voilà, mes amis, nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et merci encore aux frères et sœurs du sud, de Nice, de Marseille, de Toulon, de Montpellier, et voilà, qui étaient là hier avec nous, qui nous ont fortement encouragés. Vous étiez nombreux hier à Nice à répondre à l'appel du Seigneur. Et nous avons été agréablement surpris, Clint et moi, quand nous sommes rentrés dans cette salle de réunion et que nous avons vu tous ces hommes et ces femmes et tous ces chrétiens assoiffés de la parole. Nous étions en tout cas agréablement surpris. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Et pour ceux qui n'étaient pas là, ben, vous verrez bientôt les images. Le Seigneur nous a vraiment bien nourris et très très touchés. Et voilà, donc ben, du coup, nous serons... Le 23 novembre, nous serons vers Marseille. On vous donnera tous les détails dans les prochains jours. En tout cas, Dieu nous fait du bien, Dieu nous encourage. Au nom de Yeshua, nous le bénissons. Voilà, donc nous sommes avec des frères et sœurs qui sont venus pour témoigner de ce que Dieu fait dans leur vie. Et nous sommes de plus en plus encouragés, comme vous le savez, par ce que Yeshua a accompli au milieu de son peuple. Et nous tenons ce soir à vous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons terminé, par la grâce de Dieu, la révision de la Bible. Et nous avons envoyé le fichier fini, terminé, à l'imprimeur. Et voilà, donc, et ils ont commencé déjà l'impression. Ils ont commencé le travail. Donc, d'ici la fin de ce mois-ci, oui, d'ici la fin du mois, on aura, si tout va bien, par la grâce de Dieu, les 10 000 exemplaires, les 10 000 exemplaires de la Bible de Yeshua. Et le 19, ne vous inquiétez pas, vous aurez chacun sa Bible. Que Yeshua soit béni. Voilà, donc Dieu nous a fait du bien. Nous avons été soutenus par vos prières. Et ce n'était pas un travail facile. Je tiens à dire merci au Seigneur d'abord. Et aussi aux frères et sœurs qui nous ont soutenus, qui m'ont beaucoup soutenu. Et j'ai vu des frères travailler des nuits entières, des gens qui travaillaient le lendemain et qui travaillaient jusqu'à 2h, 4h, voire 5h du matin, alors que... ils travaillaient à 8h et à 9h. Et j'ai vu des femmes laisser leurs enfants, leurs bébés, et, pour travailler à cette révision. Et très honnêtement, au travers de ce travail, le Seigneur m'a beaucoup appris, m'a beaucoup m'a montré aussi les cœurs des hommes et des femmes qui le cherchent sincèrement. Et que le Seigneur soit béni en tout cas pour la participation de tout le monde. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà, donc ce travail est fini et maintenant on reste à l'attente, dans la prière et ceux qui sont au loin, qui ne pourront pas venir, ne vous inquiétez pas, nous allons mettre en place une application que vous pourrez éventuellement télécharger sur vos tablettes, vos téléphones, vos smartphones, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite on va mettre en ligne, donc il y a déjà une équipe qui se met en place pour... la mise en place de ce site dédié, d'un site dédié à cette Bible. Et donc www.bibledejesuschrist.org, logiquement. En tout cas, vous aurez toutes les informations dans les prochains jours. Et vous pourrez éventuellement aller sur ce site donc, pour télécharger un PDF, le PDF de cette Bible, que vous pourrez, si vous le souhaitez, également la faire imprimer. Voilà, donc que Dieu soit béni pour ce beau travail. Et vous étiez nombreux à
à vous mobiliser pour la réalisation de ce travail. Et donc, du coup, ben, le nom du Seigneur est glorifié et nous sommes fortifiés par l'œuvre que le Seigneur a accomplie au milieu de son peuple. En tout cas, que Dieu soit béni pour la participation de tout le monde et personne ne laissé de côté. Les vrais enfants de Dieu qui ont pris part à ce travail ne peuvent être qu'encouragés, n'est-ce pas? Voilà, merci Seigneur en tout cas. Et nous sommes avec des frères et sœurs. Vous voyez, il y a des frères et sœurs qui sont là, qui ont des t-shirts. Hein, et dessus, il y a écrit Jésus-Christ. Alors, ils vont bientôt nous dire un peu ce qui se passe. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a de tout. Donc, nous vivons l'accomplissement de Joël 2, 28. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Alors, nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 28. C'est un passage que nous connaissons. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et Pierre nous apprend dans Actes 2 que cette prophétie de Joël, n'est-ce pas, il y a 2000 ans, venait de se réaliser, de s'accomplir. Et jusqu'au retour de Yeshua, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers temps. Donc Dieu continue, n'est-ce pas, de répandre son esprit sur ses enfants. Et l'effusion de l'esprit ne s'est pas arrêtée à la Pentecôte. Dieu continue à le faire. C'est pour cela, chrétiens, nous devons, n'est-ce pas, aspirer à la vie de l'esprit. Nous devons aspirer à la vie de la Pentecôte, le fait de vivre à Dieu, de vivre dans le quotidien les actes, n'est-ce pas, de l'esprit. Voilà, donc c'est-à-dire des conversions, des guérisons, des délivrances, des baptêmes, de la repentance. Voilà, des choses qui sont pour nous tout à fait naturelles, normales, parce que le Seigneur a dit que ces choses-là allaient nous accompagner. Voilà, accompagner sa parole. Et que Dieu soit béni en tout cas pour ce qui se passe, parce qu'on voit que de plus en plus de frères et sœurs prennent position pour la défense de la sainte doctrine. Ils se lèvent pour défendre la vérité. Et ce soir, nous allons écouter leur témoignage. Et on va commencer par le témoignage d'un jeune homme. Il a déjà eu à faire ce témoignage lors de la veillée de la jeunesse. Et beaucoup ont été encouragés, moi le premier. Et voilà, donc il est revenu ce soir. Et Dieu est en train de changer sa vie. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Enoch. Enoch, voilà. Et d'où viens-tu, Enoch ? En fait, je viens de Sainte-Geneviève-des-Bois. D'accord. Et depuis quelques temps, je suis en fait chez le grand frère à mon père, en fait. D'accord. À Juvisy. Ok, donc tu es chez ton oncle. Alors, pourquoi tu es chez ton oncle ? En fait, par rapport à ma jeunesse. D'accord. J'ai fait beaucoup de bêtises, plein de trucs mauvais. Mmh. Puis en fait, j'ai été en prison. Mmh. Suite à cela, j'ai eu un contrôle judiciaire qui est d'actualité jusqu'à maintenant. D'accord. Et je suis à Juvisy, en fait. Donc tu as fait combien de mois en prison ? J'ai fait 2 mois et demi. Deux mois et demi, d'accord. Parce que tu... Pourquoi ? Pourquoi tu as fait de la prison ? En fait, j'ai eu une affaire, en fait... De viol en commun, en fait. De viol en commun, ouais. D'accord. Et voilà, il y a eu cette histoire. Et apparemment, la personne dit qu'on l'a violé, en fait. Là, je suis en attente du jugement. D'accord. Et voilà. D'accord. Donc, et tu revendais aussi de la drogue, hein, je vendais de la drogue. D'accord. Je frappais les gens. T'en as envoyé combien à l'hôpital ? Une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine, ouais. D'accord. Donc tu avais aussi une arme, non ? Tu avais... Oui, j'avais... Je me suis fait attraper aussi pour port d'armes. C'était une grosse gazeuse, en fait. C'est les grosses gazeuses, là, mmh. que les policiers, ils ont. D'accord. Je suis parti plusieurs fois en garde à vue, plein de trucs dans le genre. D'accord. Et maintenant, tu vas abandonner tout ça ? Oui, je vais abandonner tout ça. J'ai vu, en fait, que j'avais regardé un témoignage, enfin, un enseignement qui disait que... En fait, fallait avoir la conviction du péché. D'accord. La confession, puis la conversion, en fait. D'accord. Et ça m'a vraiment touché. Et j'ai voulu faire ces trois étapes, en fait, pour changer de vie. Parce que j'ai dit, sans ça, je ne vais pas arriver, en fait. D'accord. Et voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Enoch. Et d'ailleurs, tu sais que Enoch était un homme qui a marché avec Dieu, hein, dans la Bible. Est-ce que tu connais son histoire un peu ? Ouais, mon cousin, il m'en a fait part, en fait,
qu'il a marché 300 ans avec 300 ans avec Dieu. Avec Dieu. Et il avait tellement touché le cœur de Dieu que Dieu l'a repris carrément. Donc Enoch n'a pas connu la mort. Alors si on t'a donné ce prénom, c'est qu'il y a une raison. Hein, je crois qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc je pense qu'aujourd'hui, Enoch, à 16 ans, tu as décidé de marcher avec Dieu. Hein, donc c'est très bien. Et donc qu'est-ce que tu peux dire justement, Enoch, à tous ces jeunes qui nous suivent ce soir et qui ont, qui connaissent aussi la délinquance, qui vendent de la drogue, qui sont dealers, qui ont fait de la prison et d'autres qui risquent d'en faire. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? En fait, qu'est-ce que je leur conseille en fait? C'est qu'on arrête en fait de faire du mal. Les premiers qui souffrent, c'est nos parents. Effectivement. C'est nos parents, ils ne nous ont pas élevés pour qu'on soit dans ces trucs-là en fait. Mm-hmm. Nos frères et sœurs, tout ça, toutes les tantines, tout ça, après ils n'ont pas un bon oeil sur nous, tout ça. Mm-hmm. Et que en fait, en gros, ça paye pas. Parce que quand je regarde en fait le style de vie des vrais chrétiens et le style de vie de ceux qui sont dans le monde, qui font le mal, tout ça, ceux des chrétiens, ils évoluent. Mm-hmm. Mais ceux qui sont dans le monde, en fait, ça, tu tourneras en fait. Il n'y a pas d'évolution. En fait. Et c'est ça vraiment que j'aimerais bien dire abandonner parce que franchement ça sert à rien. J'ai 16 ans mais franchement je vais pas me vanter mais j'ai vraiment le vécu de quelqu'un d'un peu plus grand en fait. D'accord. Et voilà, j'aimerais vraiment vous dire que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu as fait une bonne analyse et ça c'est très bien Enoch. Et voilà, donc voilà un jeune homme de 16 ans qui a fait de la prison, qui revendait de la drogue, qui portait des armes et qui a envoyé dans les hôpitaux près d'une quinzaine de personnes, hein, donc, et voilà, et qui réalise que tout ça ne lui servait, ne lui a rien apporté, et comme il a dit lui-même, qu'il a vécu comme un homme beaucoup plus âgé, hein, parce qu'il a touché à pas mal de choses, et voilà le monde dans lequel nous sommes, et il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui se retrouvent dans la même situation, et je crois que ce soir, et Dieu veut aussi vous sauver. Hein, comme il est en train de sauver Enoch. Voilà. Donc je crois que, et comme tu l'as si bien dit, hein, donc les parents ne nous ont pas mis au monde pour nous voir prendre de telles, n'est-ce pas, s'engager dans de telles voies. Mm. Et ça c'est une bonne chose hein, que tu reviennes au Seigneur. Voilà, c'est magnifique. Et voilà, donc il y a aussi d'autres personnes qui sont là, qui sont qui ont des t-shirts hein, sur lesquels il y a écrit Jésus, que je vois. Et est-ce que tu peux juste te lever, frère, afin de montrer à la caméra ce qui est écrit dessus? Et voilà, comme ça, on va voir. Donc, tu peux juste étendre ton t-shirt pour qu'on lise bien sur l'écran. Jésus revient, repentez-vous. Voilà, ah, c'est magnifique. Et c'est bon, parfait. Que Dieu soit béni. Alors dis-nous un peu, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe avec, avec vous? C'est extraordinaire, frère. C'est au mois d'août d'accord. que nous avons commencé. On était touchés un de son côté et puis finalement on s'est rassemblés. D'accord. On avait la même pensée. Mm-hmm. Et nous sommes organisés à aller vers le SDF. D'accord. Et par après, les choses ont évolué. On s'est dit, tiens, on ne va pas s'arrêter seulement à voir le SDF. Mm-hmm. Il faudrait qu'on soit avec d'évangéliser en même temps. Mm-hmm. Et on a eu la sœur Florentina qui nous a rejoint avec sa cousine. Mm-hmm. Et donc là, on fait un peu les deux. D'accord. C'est très, très extraordinaire. Donc vraiment. Vous allez dans les trains, voilà. dans les gares En fin de compte, c'est à partir de Gare de l'Est qu'on fait, et puis on va jusqu'à République. C'est carrément dans Paris. D'accord. Voilà, c'est dans Paris. Alors, on va prendre le micro parce que je pense que tu veux dire quelque chose. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, le Seigneur nous a interpellés par rapport aux personnes, aux sans-abri. D'accord. Et j'en ai parlé aux frères. D'accord. Et c'était frère était, ils ont dit oui, j'ai eu la même pensée. D'accord. Et donc, du coup, on a commencé, on s'est dit, ben, on va commencer déjà à faire des sandwichs. D'accord. Et à leur apporter à manger des vêtements. D'accord. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. On leur apporte à manger. Maintenant, il faut qu'on leur apporte la nourriture, le pain de vie. Mm-hmm. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur a touché des frères mm-hmm. et qui arrivaient. Et on a commencé à évangéliser dans mm-hmm. nos rues.
on fait presque tout Paris. D'accord. On parle de Jésus, on chante, et les gens, ils sortent des maisons, ils applaudissent, ils sont contents. Ils disent, ah, voilà ce qu'on va entendre. On va même dans les hôpitaux. Amen. Et on a un témoignage, un SDF, qu'on a rencontré à la montée de nouvelles... Bonne nouvelle. D'accord. Et donc, à chaque dimanche, on allait le voir, puisque c'est tous les dimanches qu'on le fait. Et on allait le voir, on priait, on lui demandait s'il acceptait Jésus. Il disait oui. Et Dieu sait faire ces choses. On a une enfant, elle est avec nous là. Elle a dit au monsieur, comme son petit nom au monsieur, c'est Bobo. Il dit, Bobo, tu vas plus rester dans la rue. Mm-hmm. Et un autre jour, on revient, on trouve que le SDF s'est retrouvé à l'hôpital. D'accord. Et donc... du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Mm-hmm. Et le Seigneur nous inspire, on va dans un bar juste à côté. Ils nous disent que le monsieur, il est hospitalisé à l'hôpital La Riboisière. Mm-hmm. Et donc, on arrive à l'hôpital, on n'a aucune nouvelle, on n'a aucune information. Mm-hmm. Et le Seigneur est merveilleux. Il envoie l'infirmier qui s'occupait de lui. On lui pose la question, on voudrait voir un monsieur, mais on n'a pas son nom de famille. Et nous, on sait juste qu'il s'appelle Bobo. Il dit, venez. Le Seigneur, il avait tout préparé, en fait. Et on arrive... On dit au monsieur, ben le monsieur, on voit, il était SDF, il est SDF en fait, et il ne parle pas. Et on nous a dit qu'il est à l'hôpital et qu'il est au premier étage. Et donc on arrive, on trouve le monsieur, et le pronostic vital de ce monsieur était engagé. Et le Seigneur a fait grâce, on priait, on allait le voir tous les jours, il était dans le coma pendant 2 semaines, mm-hmm. et je vous promets, je vous dis, Dieu, il est merveilleux. On revient 2 semaines après, on trouve que le monsieur, il a ouvert les yeux, parce que là, ils avaient diagnostiqué qu'il avait une infection pulmonaire, et c'était plus possible qu'il vive, en fait. Et le Seigneur s'est glorifié. C'est pas qu'on a fait quelque chose, mais le Seigneur a voulu nous montrer que il est Seigneur, quoi. Alléluia. Il est vraiment Seigneur. Et on est arrivé à l'hôpital hier, on était choqués de ce que le Seigneur fait au travers de cet homme. Et c'est un monsieur qui est muet. Et on est arrivé une fois à l'hôpital, il n'arrivait pas, on lui avait mis plein de tuyaux dans la bouche. Et il n'arrivait pas, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien faire. Et tout d'un coup, le Seigneur nous a touchés et on priait pour lui et le monsieur s'est mis à écumer. Mais à écumer, ça lui sortait de partout à écumer. Et à chaque fois, il avait une espèce de quinte de toux. Et quand il toussait, on avait l'impression que là, il va parler. Et hier, il arrivait à confesser Jésus. On lui faisait dire Jésus. Et il disait, c'est vrai qu'il n'arrivait pas à parler distinctement, mais on sentait, et comme il parle, il fait la langue des signes, et il nous faisait le geste, lui, le Seigneur est venu le visiter. Je vous dis, Jésus, il est grand, quoi. Amen. Il est grand, il est merveilleux. Amen. Donc, je vois, il y a de tout. Hein, c'est magnifique de voir des... c'est beau. Et ça ne... Qu'est-ce que vous pouvez dire aux mamans qui nous regardent, hein? Est-ce que vous pouvez, ça va encourager beaucoup de gens, oui. Est-ce que tu peux nous donner ton âge, si c'est pas, oui. Ça va encourager beaucoup de jeunes aussi. Je m'appelle Maman Suzanne. D'accord. J'ai 76 ans. 76 ans. 76 ans cette année. Waouh. Oui, je suis née le 13 juin 1938. Waouh. Oui, ce juin-ci m'a donné 76 ans. On peut acclamer le Seigneur. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Est-ce que le son est correct par rapport à maman? Et 76 ans, 76 et ans. Tu portes ce t-shirt, ah, Jésus revient, repentez-vous. Repentez-vous. Et tu vas dans les trains, dans les gares, dans tout Paris. Partout, je prononce son nom, je chante, je danse, on glorifie son nom. Alors les gens qui te regardent, ils sont juste sur cette caméra-là. Est-ce que tu peux t'adresser directement à eux en regardant cette caméra? Oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire justement? Et je dis aux mamans d'être encouragé, uh-huh. parce que le Seigneur est grand, il est merveilleux. Uh-huh. Il nous donne la force de le glorifier, uh-huh. de l'élever, parce qu'il est puissant. Uh-huh. Il est le Tout-Puissant. Mm-hmm. Faut pas qu'on se décourage, mm-hmm. parce que c'est lui seul. Il mm-hmm. est le Dieu Tout-Puissant. Mm-hmm. Il faut qu'on soit encouragé pour le servir. Et les personnes d'un certain âge, les personnes âgées qui se disent, nous sommes, Dieu ne peut pas se servir de nous. Non, ils se servent de tout âge. Uh-huh. Surtout nous qui sommes vraiment âgés, ils se servent de nous parce qu'ils nous donnent la vie, la santé. Ils nous donnent tout le courage de le servir. Et moi, il m'a vraiment donné la santé, le courage, tout.
quand je marche, je suis fortifié et j'ai mes enfants autour de moi. Amen. Qui m'encouragent. Amen. Il est merveilleux, il est bon. Et je glorifie son nom. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Mais ça, c'est mes amis, vous vous rendez compte de ce que Dieu fait. Et je crois que c'est magnifique de voir toutes ces choses, frères et sœurs. Joël 2 qui s'accomplit, hein, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des personnes d'un certain âge, et qui sont autour du Machia. Hein. Alléluia. Et ça, c'est vraiment magnifique. Alors, on va vous laisser le plateau ce soir avec Ulrich pour témoigner encore, hein, de ce que Dieu fait avec vous. Et donc, je suis obligé de me retirer pour vous laisser travailler. Et voilà, donc c'est ça aussi le royaume. Et Dieu est bon. Et frères et sœurs, je voudrais juste dire une chose pour donner gloire au Seigneur. Hier, on était à Nice, et un couple... et qui est venu témoigner de ce que le Seigneur a opéré dans leur vie. Une femme qui avait une maladie incurable, et elle est allée voir son médecin, et parce que la maladie, le Seigneur a fait en tout cas beaucoup de choses dans sa vie, et le médecin, elle a fait faire des examens, et sur, le dossier médical, on a écrit qu'il y a eu un miracle suite à une prière faite par un pasteur évangélique à Évry. Donc, son médecin a écrit sur son dossier médical qu'il y a eu un miracle. C'est bien, j'ai lu ça devant tout le monde hier à Nice, frères, sœurs. Que suite à une prière faite par un pasteur évangélique à Évry, il y a eu un miracle. Frères et sœurs, on n'est pas pasteur, c'est vrai, mais cette femme médecin a écrit cela sur ce dossier, et on a oublié de faire une copie de ce dossier. Alors je ne sais pas si justement ils nous regardent, donc ce couple, hein, donc est-ce que vous pouvez nous appeler pour rendre gloire au Seigneur, hein, donc voilà, pour témoigner de ce que le Seigneur a fait aux frères et sœurs du monde entier. Et je crois que beaucoup seront fortifiés, encouragés au nom de Yeshua. Dieu est bon, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est la première fois que je vois ça, une femme médecin qui écrit une telle chose, et qui reconnaît qu'il y a eu miracle, et que le Seigneur est intervenu suite à une prière faite, hein, sur la personne malade. Et ce couple justement me disait que un autre médecin, donc le médecin du frère, et maintenant est connecté H24 sur TV de vie, touché par l'évangile. Amen. Et frères et sœurs, non, Dieu fait des choses qui nous dépassent, et voilà ce que le début des choses qu'il nous a promises. Et préparons-nous justement pour ce puissant vent de réveil qui va, n'est-ce pas, préparer l'épouse à l'enlèvement. Voilà. Donc, allô, bonsoir. Ah, allô. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Ah, je crois que... Voilà, on va vraiment s'organiser pour pouvoir les avoir. Et ça va beaucoup encourager les frères et sœurs, et ça nous a... Allô, bonsoir. Allô, 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 tu m'entends, Chouin? Très bien, très bien. Ah, voilà. Tiens, alors, oui, oui. Très, très bien, oui. Est-ce que tu peux baisser le son de ton ordinateur? Alors raconte-nous un peu. Voilà, alors c'est merveilleux parce que, comme je disais hier, voilà, alors sur le document que le médecin, donc le projet d'un professeur, c'est la collaboratrice du professeur de la Timone de Marseille, qui a marqué que j'avais eu une guérison miraculeuse au niveau des crampes. Parce qu'il se trouve que j'ai une maladie orpheline qui s'appelle le Goucherot-Schoch-Crenn. Et cette maladie-là, c'est un syndrome sec où on ne peut,
on ne peut rien faire, ça touche un peu tous les... Alors ça a touché le cœur, ça a touché le syndrome sec, tout est sec, quoi. Tout est sec. Et ça, c'est quelque chose qui fait des dégâts, parce qu'on m'avait expliqué qu'il y avait des espèces de globules qui faisaient des dégâts, quoi. Ils font un peu n'importe quoi, ces globules-là, voilà. Et donc, quand on est monté à Ivry, donc moi, je suis venue à la prière et j'ai demandé, en fait. Et lorsque j'ai demandé, on a prié pour moi et j'avais dit que j'avais des crampes pas possibles quand j'étais sur Paris à Ivry. Et quand je suis redescendue, déjà à Ivry, à partir de cette soirée-là, c'était terminé, je n'avais plus rien. Et ensuite, quand je suis redescendue, j'avais rendez-vous avec ce médecin de la Timone. Et elle n'en revenait pas parce que je lui ai dit, voilà, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que, comme on lui parlait du Seigneur avec mon mari, et elle était vraiment touchée, et elle faisait, donnez-moi la carte de TV de vie, mais donnez-moi la carte. Wow. Mais on veut vous expliquer que voilà, j'avais des crampes, j'en pouvais plus. Et le Seigneur a montré sa gloire, c'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, plus de crampes. Donc elle a dit que c'était une guérison miraculeuse et qu'ensuite elle a marqué aussi que j'avais vu donc un pasteur évangélique et que par lui, quoi, le Seigneur a permis que je sois complètement rétablie. Amen. C'est le cas de dire. Gloire à Dieu. En tout cas, nous croyons que vous allez bientôt encore monter pour donner toute la gloire au Seigneur par rapport au fait que plus rien, plus aucune trace de maladie ne sera retrouvée dans ton corps. Alléluia. 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 Alors maintenant, je vais passer mon mari qui va expliquer tout ce qui s'est passé pour lui. Ok, parfait. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Au revoir. Allô, bonjour frères et sœurs. Salut Chora. Merci, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vais juste témoigner qu'est-ce que Jésus a été capable de faire. Quand on est parti à Ivry, mes résultats, c'est-à-dire que j'ai eu une maladie, je suis condamné par la médecine, enfin, pardon, j'ai été condamné par la médecine, Jésus m'a plutôt que m'a libéré de tout ça. Amen. Il n'y a pas de guérison. Sur la plaie, mon médecin m'a dit, il n'y a pas de guérison, on n'a jamais vu de guérison. Le pneumologue m'a dit, la guérison, il n'y en a pas, vous allez vivre avec ça. D'accord, ok. À chaque fois qu'on me disait qu'on ne guérit pas, j'ai dit, vous êtes des hommes, vous dites ça. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Amen. Je vais revenir devant vous témoigner que Jésus va me guérir. Le pneumologue me dit, mais on n'en guérit pas. Je lui ai dit, mais Jésus, lui, a le dernier mot. Je vais revenir vous témoigner que Jésus va me guérir. Et le monsieur qui place la machine est venu. Et on a discuté tout ça, c'est une machine qui m'envoie l'air la nuit. Je dors avec une machine qui m'envoie l'air, quoi. Et ce gars-là, j'ai discuté avec tout ça, il m'a dit, on a guéri de ça. Il m'a dit non. Il m'a dit, moi, ça fait des années que je suis là-dedans, je place les machines aux malades, on n'en guérit pas. J'ai dit d'accord, j'ai dit, mais moi je vais vous dire, celui que je sers, il s'appelle Jésus de Nazareth. Lui, il va me guérir. Parce qu'il veut une seule chose, c'est glorifier son nom. Amen. Et puis ce résultat, c'est-à-dire, voilà, je vais expliquer. Ils ont commencé à. Alors, ils ont mis la machine, ils m'ont fait souffler dans une machine. Quand je soufflais, j'avais pas. Les poumons, ça sortait pas, ça, c'était dur. Et quand on est revenu de Ivry, j'ai été dans la machine, j'ai dit, je vais souffler au nom de Jésus. Quand j'ai soufflé, waouh,
Le médecin a mis la main sur la tête, comme ça, il a commencé à gratter sa tête. J'ai dit, il se passe quelque chose là. Et quand il a regardé les résultats, il a marqué l'âge de la feuille. Fonction respiratoire normale. Amen. Il a marqué normal, après il a marqué volume. Après, il y a marqué volume, débit, normaux. J'ai dit, docteur, il se passe quelque chose. Et quand je suis parti à Ivry, la plaie, c'était 16,5. Ça, c'est quand je suis monté. Quand je suis redescendu, j'ai fait l'analyse au médecin. Il a regardé, il a dit, donc ils ont appelé le spécialiste pour qu'il vienne à la maison, qu'il vienne contrôler la machine, c'est-à-dire dans la machine respiratoire, il y a une puce. Il lève cette puce, il la met sur son ordinateur, et c'est son ordinateur qui va tout dire. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Quand il a regardé comme ça, il m'a dit, oh, monsieur, j'ai dit oui, il me dit, il se passe quelque chose là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe. Il me dit, vous êtes, quand est-ce que vous avez été à Ivry. J'ai dit, là, au mois d'août. Il m'a dit, vous étiez à 7,5, maintenant vous êtes tombé à 4,5. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Wow. Il dit, ça, c'est la guérison qui est accordée par Jésus de Nazareth. Amen. Je lui ai donné la carte de TV de vie. Vous savez ce qu'il m'a dit? Oui. Depuis que je lui ai donné, il m'a dit, je ne peux plus me déconnecter de TV de vie. Il est touché. Il m'a dit, je ne peux plus. Le soir, je finis mon travail, je rentre chez moi, j'écoute TV de vie. Wow. J'écoute TV de vie. Et le docteur, à ma femme, quand on est arrivé à Ivry, ma femme, son cœur, il bat à 40%. Quand on est revenu, il part maintenant à 50%. Amen. J'ai dit au médecin, il y a deux guérisons qui existent dans la Bible. La guérison instantanée et la guérison progressive. Ma femme et moi, on va dans la guérison progressive. Amen. C'est ça. Ça, c'est Jésus. Wow. La gloire est à Jésus. Alléluia, alléluia. Donc le médecin maintenant n'arrive pas à se déconnecter de tes vœux de vie. Ah non. En plus, quand on vient offrir la Bible. Amen. Ben, d'ailleurs, nous le saluons ce soir s'il est connecté. Et ce médecin, le pneumologue, il s'appelle Luc. Et je lui ai dit, vous appelez Luc? Il me dit oui. Alors je lui ai dit, vous savez que dans la Bible, il y a un docteur qui s'appelle, celui qui est Luc. Il m'a dit, c'est un docteur. Quand je lui dis, c'est un docteur, il dit, c'est un docteur, donnez-moi la Bible, je veux le lire. Amen. Et le docteur de ma femme, quand on lui a donné la carte de début de vie, vous savez qu'elle a dit, dès que je finis ce soir à 22h mon travail, je vais aller me connecter. Amen. Wow. Dieu est grand. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. À Nice, on a vu encore la gloire de Dieu. Amen. Hier, on a vu des guérisons, on a vu l'onction descendre, on a vu des délivrances. On voit encore le Dieu Tout-Puissant se déplacer. Amen. Se déplace pour libérer les captifs. Amen. Amen. Et frère Choura, il y a un réveil qui arrive à Marseille. On reçoit des coups de téléphone de tout le monde. Nice, hier, Toulon, Aubagne, Aix, tous nous appellent. On veut qu'on se rattrape pour prier. Amen. On veut voir le réveil. Donc là, j'ai appelé le frère Luciano. Je lui ai dit à Luciano, le mois de janvier, on va louer une salle, et c'est le Saint Luciano avec qui on va commencer à mener le réveil à Marseille. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ils demandent la prière, ils demandent qu'on loue des salles, ils veulent entendre l'évangile. Amen. Et quand on va démarrer, c'est toi, frère Choura, qui va venir après. Amen. Tu vas venir porter la parole. Alléluia. Alléluia. Ça c'est. Aujourd'hui, on a eu au moins une vingtaine de coups de téléphone. Wow. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Oui, j'ai vu ton appel là aujourd'hui. Là. Merci Seigneur, hein, que Dieu soit béni. En tout cas, le 23, on va être vers Marseille là-bas aussi. Hein, donc, on va venir, oui. Amen. On va venir. Que le feu. On se regroupe sur Marseille, on va venir à Digne. Amen. Donc on sera à Digne. C'est Digne, hein? Digne. Ok, on sera à Digne le 23, on donnera toutes les informations, vous qui êtes du côté de Marseille, tout ça, Nice, tout ça, Antibes, Montpellier, on vous donnera les informations d'ici quelques jours. En tout cas, on sent que ce feu prend de plus en plus partout et nous bénissons le Seigneur pour ce réveil. Alléluia, gloire à Dieu. On vous dit bonsoir à tous,
continue à vous suivre. Merci. Priez la parole et continuez avec les RDR, ce que vous faites là. Dieu va vous bénir. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On va à l'intérieur, on lui dit, tiens, on te, la Bible, l'intérieur, le frère me dit, non, je veux pas, il dit au frère, je veux pas la Bible. Le frère me dit, non, prends Dieu, il dit, non, il dit, moi j'ai la Bible, moi je suis à l'intérieur, moi Dieu m'a dit, tu prêches à tous les RDR, et c'est le RDR qui est en train de prêcher à tous les RDR. Waouh, merci Jésus. On a vu des hommes, des femmes, ça crie de tous les côtés. Rachoua, on était en train de faire RDR, on passe comme ça, il y a une femme qui s'arrête qui dit, mais qu'est-ce que vous faites là, c'est bon là, vous êtes en train de donner des repas, c'est gratuit. Oui, c'est pour les sans-abri, la Bible nous dit d'aller vers les pauvres, pour les nourrir, tout ça. Elle parle, elle dit, oh, je vais prier pour vous. On lui dit, vous êtes chrétienne? Elle dit, oui. J'ai dit, ma femme me dit, donne-lui une carte de TV de vie. Écoutez bien les frères et sœurs. On donne la carte de TV de vie, il dit, allez sur là, sur ce type là. Il y a la parole de Dieu, il y a l'enseignement qui est gratuit, tout est gratuit. Amen. Vous entendez la parole, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des restaurations. Quand elle le lit, elle dit, Évry, mais j'habite à côté de Évry. Waouh. Et elle était à côté de Évry, elle n'a pas entendu le message, elle descend à Marseille en vacances, Dieu l'a tapé. Waouh. On vous écoute, apportez le message, continuez. Amen. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Bon courage là-bas en tout cas, et que tous les élus qui attendent le retour du Mashiach soient encouragés. Amen. Le maître revient. Amen. On a dit Yeshua. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Jésus-Christ? Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus mérite un chant, hein, il mérite plusieurs chants, et nous voulons, avec nos voix, même nos voix cassées, nous voulons chanter ce cantique, l'alléluia, la gloire de Yeshua. Gloire à Dieu, mes amis, là. Alléluia, on va se débrouiller avec nos voix, frères. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Yes, amen, 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 amen.
sœurs, le Seigneur mérite vraiment la gloire et nous tenons à le proclamer haut et fort. Merci en tout cas à vous tous qui priez pour les uns les autres, pour ce travail que le Seigneur accomplit. Et il y a de plus en plus des médecins, comme vous le voyez vous-même, comme vous l'avez entendu, qui sont touchés par l'Évangile. Oui, dans la Bible, il y a eu des médecins. Il y a eu Luc, qui était un grand médecin, que le Seigneur Yeshua, hein, que Jésus-Christ a touché. On peut être médecin, on peut être scientifique, on peut être docteur, on peut être, avocat, juge, président, et être touché par l'Évangile. Oui, il y a une vie après la mort. Oui, nous ne sommes que de la poussière. Oui, Dieu existe. Et ce Dieu, on le voit à l'œuvre. Il sauve des jeunes délinquants. Il est convaincu du péché. Il utilise des femmes de tout âge, de toute origine. Il guérit son peuple. Il proclame sa parole. Et nous voyons les signes ici et là qui annoncent le retour de Yeshua, le maître des maîtres. Oui, Jésus-Christ est bel et bien vivant. Il est ressuscité des morts. Et celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Il a dit clairement aux hommes qu'il accusait, qui de vous peut me convaincre du péché. Et le seul homme à n'avoir commis aucun péché. Il est le seul Dieu qui ne commet jamais de faute, qui ne commet jamais d'erreur. Il est le seul et véritable Dieu à qui, n'est-ce pas, l'adoration est due, la louange est due, la gloire, l'honneur. Frères et sœurs, cherchons ce Dieu de tout notre cœur et que toute la gloire lui revienne en le Yeshua. Le 9, nous sommes à, dimanche prochain, nous sommes à Nantes. Vous qui êtes du côté d'Angers, du côté de Cholet, et vous qui êtes à Nantes, vous qui aimez le Seigneur, qui aimez la vérité, eh bien, nous sommes à Nantes. Toutes les informations sont sur le site de TV de Vie. Et ce dimanche, toute la journée, à partir de 10h, le programme va commencer. Nous allons partager la parole. Il y aura plusieurs intervenants qui vont nous exhorter avec l'évangile pur sur le retour du Maître, la parole qui est censée proclamer en ce moment, qui doit être proclamée en ce moment, c'est-à-dire le retour de Yeshua. Voilà, nous ne voulons pas d'autres messages, des enseignements sur l'argent, nous n'en voulons pas. Nous voulons le message qui nous parle, qui nous présente le ciel, qui nous parle de la nouvelle Jérusalem, qui nous parle de l'au-delà, du temps, des temps à venir, qui nous parle de notre Dieu, qui nous aime et qui, n'est-ce pas, est en train de revenir pour nous prendre, de revenir nous chercher. Voilà, donc on va faire une pause de 5 minutes, ensuite les frères et sœurs vont continuer à partager, n'est-ce pas, les expériences que le Seigneur leur donne à vivre. Au nom de Yeshua, ne quittez surtout pas votre ordinateur. À tantôt, comme disent les Belges, on a Yeshua.